J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous terminez agréable mois dans le mois d'août. Salam alaikum wa azulfillahoun. Cette fin du mois d'août, en tout cas, c'est parce que ça ne sera pas la fin de l'été, parce qu'apparemment, selon les prévisions des climatologues, des météorologues et des spécialistes du climat, les températures caniculaires et la chaleur risquent de se prolonger. Ils risquent de connaître, en tout cas, des épisodes. On risque de connaître des épisodes assez caniculaires durant même le mois de septembre. Mais malinèche, ce climat estival de cette année 2023 nous a permis au moins de comprendre les fonds d'Algérie. Comme on dit en Algérie, nous avons enfin découvert les intentions, les véritables intentions des dirigeants algériens, notamment du clan Tebboune, le clan présidentiel, c'est-à-dire Abdelmadjid Tebboune, le chef de l'État et son entourage, qui ont commencé donc, qui ont lancé les manœuvres officiellement pour préparer leur projet du deuxième mandat présidentiel. Abdelmadjid Tebboune est clairement en train de se préparer pour briguer un deuxième mandat présidentiel. Ou donc, le baratin, pour baratiner les Algériens et les Algériens, faute de bilan économique, faute de bilan politique, faute de bilan social, faute de réalisation tout court. Abdelmadjid Tebboune a été, en tout cas, durant son mandat présidentiel, le président qui n'a pratiquement ou presque rien fait, à l'exception d'une allocation pour les chômeurs, qui a aggravé le chômage en Algérie au lieu de le résorber. Il n'a absolument inauguré aucun projet. Il a été absent sur le terrain. Il n'a pas apporté le moindre bénéfice à l'Algérie. Il n'a pas créé, il n'a pas donné ou l'a offert à l'Algérie, même pas un bâtiment, même pas un stade, même pas un trottoir. Il n'a fait que parachever les chantiers qui ont été initiés ou réalisés par Abdelaziz Bouteflika. Il n'a absolument rien rapporté au pays, à l'exception de plus de dictature, plus de répression, plus d'atteinte de violation des droits de l'homme. Un climat politique malsain, délétère, des tensions, des guerres de clans qui n'ont jamais atteint, qui ont atteint un paroxysme alarmant, l'effondrement des institutions de l'État, une privatisation entière et totale, encore pire que celle à l'époque que nous avions vécu à l'époque de Bouteflika, des instances les plus suprêmes de l'État, un clanisme encore plus prégnant, plus palpable, même le Hezbollah des prisons algériennes remplies à ras-bord par les rapports de détenus politiques et d'activistes musulmans pacifiques qui ont été incarcérés injustement. Mais là, la liberté d'expression, les libertés publiques et individuelles qui ont quasiment disparu en Algérie. Une Algérie est devenue à la fois une caserne et une prison à ciel ouvert. Voilà le seul bilan de Abdelmadjid Tebboune. Pendant, donc, pour essayer de préparer le deuxième mandat, le clan Tebboune, les conseillers de Tebboune, ont fait un pacte avec l'islamiste Abdelkader Benguerina, qui a lancé depuis juin dernier une initiative qui a abouti à l'organisation samedi dernier au niveau du Centre international des conventions aussi, c'est un club des peintres à Alger, d'une conférence, où il y a une initiative Talahm al-Watani, où là, pour la sa meilleure traduction, une initiative pour la cohésion et la vigilance afin de renforcer le front intérieur, de fédérer autour des institutions et de soutenir leur position stratégique. C'est-à-dire que une initiative d'unité nationale, de cohérence, de cohésion nationale autour des institutions de l'État face aux menaces qui proviennent de l'extérieur du pays. Donc voilà, c'est incroyable. Regardez la décadence politique en Algérie. Alors, des politiciens, qui m'appellent Abdelkader Benguerina, dont on va parler de leur propre passé, qui sont eux-mêmes une menace contre l'unité nationale, qui sont eux-mêmes une menace contre la cohésion du pays, veulent nous donner des leçons sur la cohésion et l'unité nationale. Qu'ils se mettent à des initiatives, je vois en quoi c'est dangereux. Je vois l'immaturité et l'inconscience politique de la classe dirigeante actuelle, notamment du clan Tebboune, qui pactise avec des amateurs, parce que Benguerina est un amateur. Quand il fait ça, c'est un vrai amateur. Qui trouve blind à des partis politiques, Al-Arendi, la Falen, le Taj, le Karama, sont tous des anciens partis politiques qui ont soutenu Abdelaziz Bouteflika. Ce sont des appareils propagandistes du régime algérien, donc ils n'ont rien de nouveau. Abdelmadjid Tebboune a promis la rupture. Abdelkader Benguerina lui-même est un symbole, est un héritage du régime algérien de la fin des années 90 et du régime Bouteflika. Il était député à l'époque du régime de Bouteflika. Mais on parlera de Benguerina dans un petit moment. Quand on reprend les mêmes partis politiques qui ont joué un rôle pour le 4e, le 5e mandat, et on les réunit dans une initiative, soi-disant une initiative de cohésion et d'unité nationale. Un étranger, derrière d'autres organisations, tel Moudjahidine, les fils de Shuhada, quelques influenceurs sur les réseaux sociaux, quelques artistes, etc., quelques notables, ont tous intégré cette initiative, ou d'être là avec le club des pins, ou d'être un show, d'être un spectacle.
pour appeler les Algériens et les Algériens à être, les Algériennes et les Algériens, rester unis. Et unis autour de quoi? Unis pas autour d'un projet de société, pas autour d'un projet scientifique ou là, économique ou d'un projet politique novateur, unis autour des institutions de l'État. Comme nous n'avons pas d'institutions, en réalité, il voulait dire unis autour du régime. Et qui incarne le régime aujourd'hui? C'est Abdelmadjid Tebboune. Unis autour d'Abdelmadjid Tebboune en 2023, à la veille des élections présidentielles qui vont avoir lieu en 2024. Comme ils n'ont pas le courage de dire que nous savons, comme ils n'ont pas le courage, ni l'audace, ni les arguments nécessaires pour dire que nous sommes en train de former une nouvelle coalition pour préparer les élections présidentielles, comme ils ont peur, est-ce que l'armée va suivre, elle va pas suivre, est-ce que le peuple algérien va suivre, est-ce qu'il est en colère, est-ce qu'il va adopter le projet du deuxième mandat, ils sont en train de tester la température. Ils ont commencé par nous larguer une histoire d'unité nationale. Un observateur étranger, quand il voit ça, il dit, qu'est-ce qui se passe en Algérie? Est-ce qu'il y a une guerre interne? Est-ce qu'il y a une guerre civile en Algérie? Il n'y a pas de guerre civile en Algérie. Le terrorisme, il a été battu en Algérie. La guerre civile des années 90 a été dépassée. Il y a eu déjà un processus de réconciliation nationale entre 1999-2000 jusqu'à 2005. Il y a eu déjà des lois d'amnistie. Il y a déjà eu des lois préservant l'unité nationale. Et le pays n'a plus connu un risque majeur d'insécurité durant les années 2000 jusqu'à 2023. L'Algérie, d'ailleurs, en Afrique du Nord, est l'un des pays les plus sûrs, les plus sécurisés. Par rapport à la Libye, par rapport au pays du Sahel qui met le Mali, le Burkina, etc., par rapport au Soudan, par rapport à la Tunisie qui est dans une situation d'instabilité politique et de faillite économique, l'Algérie et le Maroc, ce sont les seuls pays qui sont stables en Afrique du Nord et qui ne connaissent pas, et qui n'ont pas connu en tout cas depuis 2010 jusqu'à 2023, des grands mouvements d'instabilité politique qui ont abouti à des guerres civiles, ou là qui ont abouti à des insurrections armées, ou là des rébellions armées comme en Syrie, comme au Yémen, comme dans d'autres pays du monde arabe, ou là d'autres pays du continent africain. Donc, كي يجيك واحد اسمه عبد القادر بن جنينه يقول لك انا لازم نديروا التلاحم الوطني. واش معناتها التلاحم الوطني؟ لي زالجيريان لي زالجيريان متفاهمين بيناتهم. شفنا الحراك في 2019 سيتي لا ميور ديمونستراسيون دونيتي ناسيونال. سيتي الحراك دو 2019 لو دو دو 22 فيفري 2019 جوسكا مي 2021 اي لا بوز تاع لاني 2020 اون بوز امبوزي با لا بانديمي دو لا كوفيد 19. 13 مليون دالجيريان سون سورتي انتر فيفري اي افريل 2019. Ils étaient tous unis, des Kabyles, des Chiaouis, des Sahraouis, des gens de l'Est, de l'Ouest, des femmes, des hommes, des personnes âgées, des blancs, des noirs, des bruns. Ils sont tous sortis dans des manifestations qui étaient pacifiques, bien organisées, harmonieuses, joyeuses. Ils ont tous scandé le même slogan. Il n'y a pas eu d'agression, il n'y a pas eu d'insécurité, il n'y a pas eu de bataille de Rome, il n'y a pas eu de délinquance. Rien, tout était harmonieux, tout était joyeux, tout était dans la bonne humeur. Pourquoi? Parce que les Algériens et les Algériens sont unis. Ils savent ce qu'ils veulent. Ils sont conscients ils ont une forte conscience de leur unité nationale et de la nécessité de la préserver. Ils sont conscients de la diversité de leur pays. Ils s'acceptent mutuellement. Donc il n'y a pas de problème au niveau de l'unité nationale. Qu'est-ce que vous voulez nous chanter? On donne une salle publique. Je ne sais pas s'ils l'ont payé d'ailleurs. Le CIC de Club des Pins. Au lieu d'organiser des forums économiques internationaux, d'attirer des touristes, d'attirer les hommes d'affaires étrangers, on le donne à un rigolo. Pour ne pas dire un idiot comme Abdelkader Ben Glina, pour ne parler talahum l'ouatan, la cohésion, la vigilance et le front interne du pays contre les menaces extérieures. Les Algériens et les Algériens n'ont pas entendu Ben Glina. Ils ont combattu le terrorisme des années 90, ils ont combattu les ingérences étrangères, ils ont ramené la sécurité sur leur territoire national, ils ont préservé la paix, ils n'ont entendu personne. Yannick, dès une initiative pareille, ça veut dire que Abdelkader Ben Glina et ses partisans affirment que l'Algérie est fragile. Donnez-moi le message. On appelle ça l'effet boomerang. L'effet boomerang en communication, c'est quoi? C'est quand tu obtiens l'effet inverse de ce que tu cherches du résultat que tu cherches à obtenir ou là à réaliser quand tu lances une opération de communication. Au lieu de rassurer, au lieu de rassembler, cette initiative inquiète et elle divise. Parce que ou Ben Glina et ses partisans ont des informations qui indiqueraient que l'Algérie est en danger, que l'unité nationale n'est pas préservée, ou ils sont en train d'utiliser des fantasmes pour faire peur aux Algériennes et aux Algériens et pour leur imposer une certaine orientation politique. C'est tout simplement de l'immaturité. Et ça prouve que les Jma'a Hadou, c'est des amateurs. D'ailleurs, Ben Glina ou Chikoun, je vous rappelle que Ben Glina Hadou est un député du Bouteflika.
quand le député Bouteflika, qu'en 1994, il était membre du Conseil national de transition, un fameux organe qui est très controversé, qui a été instauré à la suite de l'interruption du processus électoral de 91 et 92, qui a mené le pays vers la guerre civile. Celui qui parle d'unité nationale a été lui-même l'un des acteurs qui ont cautionné l'une des actions les plus violentes de l'histoire du pays et qui a mené le pays vers la guerre civile. Alors qu'on sait tous, aujourd'hui, même c'est pas la peine de refaire l'histoire, mais les esprits les plus sages, Hossein Aïd Ahmed à l'époque, certains anciens du FLN, certains intellectuels algériens de l'époque, ceux qui n'étaient pas des janvieristes, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas été partisans de l'option musclée face aux islamistes du FIS, il y avait d'autres possibilités de dialogue pour sortir le pays et empêcher le pays de basculer dans une guerre civile en demandant à l'armée de ne pas utiliser les armes, la répression massive. Mais Abdelkader Ben Guelena, à l'époque 1994, il se souciait pas de l'unité nationale, il ne se souciait pas de la cohésion nationale, puisqu'il a participé indirectement ou directement au plan qui a mis à feu et à sang l'Algérie. C'est un moumleh. Hadil Loula. Deuxièmement, quel ministre 1997, donc il est un ancien symbole du régime algérien, il a participé aux mauvaises décisions et au mauvais bilan du régime algérien. Au Fouad Bouteflika, il était député. Donc, il était député d'un parlement qui était illégitime, qui était impopulaire. Il lui-même le dit, puisque je m'attends bon et tout ce qui se faisait à l'époque de Bouteflika, c'était la mafia, c'était l'Aïsaba. Hada oui, qu'un Ben Guelena, qu'un député de l'Aïsaba. Oui, qu'un député de l'Aïsaba, de l'Aïsaba. Donc, on utilise un homme immature, inconscient, idiot, qui ne réfléchit pas, qui dit n'importe quoi, et qui est lui-même le symbole de l'héritage catastrophique du régime algérien, dans ce qu'il a de plus, de plus inquiétant, c'est-à-dire participation aux assemblées des années 90, mauvais bilan du régime à la tête du ministère du tourisme, député fait l'époque de Bouteflika, c'est-à-dire Hada Ben Guelena a fait galet de défaut. Il incarne, il symbolise l'illégitimité, l'idiotie, le niveau le déclin intellectuel, la décadence morale, fait gal les problèmes que nous voulons dont souffre notre pays et dont nous voulons et que nous voulons libérer notre pays de ces problèmes-là, des problèmes dont nous voulons nous débarrasser. Wa zajabhomna de les problèmes. Donc soyons sérieux. En réalité, Abdelkader Ben Guelena a été choisi par les conseillers de Tebboune pour commencer à créer une coalition pour le deuxième mandat. On m'a hachmo le gourou deuxième mandat parce que maintenant j'ai un bilan. Bouteflika, à son époque, il a fait un bilan. Le quatrième mandat, en 2013 ou 2012, on est peut-être dans le quatrième mandat. Parce que Bouteflika, il y avait une autoroute, il y avait la corruption. Mais il y avait des réalisations, il y avait des logements, il y avait une autoroute, il y avait des stades, il y avait des ronds-points, il y avait une économie, il y avait qui circulait, il y avait des investisseurs étrangers, il y avait la téléphonie mobile qui avait été développée, il y avait Internet qui s'était développé. Tebboune n'a un bilan. N'a pas de bilan. Donc, je veux dire, comme il n'y a pas de bilan, on veut nous faire croire que le deuxième mandat de Tebboune doit passer, il doit avoir lieu en 2024. Au nom de la préservation de l'unité nationale. Parce que le pays est menacé, comme nous sommes en guerre avec le Maroc, comme il y a le terrorisme au Sahel, comme il y a la guerre en Libye, comme il y a la guerre en Ukraine, comme nous avons de mauvaises relations avec la France ou l'Espagne et certaines puissances occidentales, eh ben, il faut laisser le pouvoir encore à Tebboune au nom de la paix, au nom de la stabilité du pays. La priorité, c'est pas le changement. La priorité, c'est de rester unis et de laisser Abdelmajid Tebboune encore au pouvoir. Avec les Algériens, parce qu'ils n'ont pas de bilan. Bouteflika, le quatrième mandat, il dit oui, je dois rester pour la stabilité du pays, l'unité nationale, mais il avait un bilan. Pourquoi on n'a pas démarré le quatrième mandat? Parce que la majorité des Algériens et des Algériens ont compris que Mahlich, il est handicapé, il est impotent, mais il a un bilan. Avec lui, au moins, on a la sécurité, on a un petit peu de développement économique et social. Projet, il a inauguré des projets derrière son prédécesseur ou Sidou Abdelaziz Bouteflika. Ou Madar Wel, il a dit Hadja Koulouna. Un le Wel, c'est Faklo. Le candidat Hadja est bon. Rani Mak, Madar Wel. J'ai eu l'effet Ben Guelena, ou je m'attends à la Falan, à la Rindé, ou Karama, des partis microscopiques qui n'ont aucun enracinement populaire. Et vous voulez faire croire que l'Algérie, à l'étranger, vous voulez faire croire que l'Algérie est un pays qui est menacé de division, ce qui n'est pas le cas. Nous n'avons jamais été aussi bien, il n'y a jamais eu une entente nationale aussi importante, aussi puissante que durant cette époque-là. Depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, l'Algérie est traversée par un sentiment, par une forte conscience d'unité nationale, d'harmonie et de cohésion.
ceux qui menacent l'unité nationale, ce sont les partisans de Ben Guelena. Parce que Ninja Ben Guelena, je m'attends, c'est le Bédicien Novembaria. Le Bédicien Novembaria, rappelez-vous, après la chute de l'usine de Boutelera, qui a voulu diviser les Algériens et les Algériens? C'est Edou, je m'attends, le Bédicien Novembaria, c'est-à-dire ce nouveau courant conservateur et à la fois conservateur et nationaliste. Conservateur, il puise ses références religieuses dans le mouvement des ulama et musulmans. Où Zama, il se présente comme nationaliste avec une haine anti-France, anti-Occident. D'ailleurs, Edou, le courant Bédicien Novembaria n'a aucune cohérence parce que les ulama et musulmans, je m'attends, Bédic, n'ont pas été favorables à la révolution et à l'action armée de la guerre de l'indépendance. Donc, ils ne peuvent pas se prétendre être nationalistes. Ce sont contraires à la limite des traîtres historiquement parlant. Mais il neige, on met Khalto bin la religion et le nationalisme, ou derrière un nouveau concept, le Bédicien Novembaria. Donc, quel objectif? Où je dérobe le Bédicien Novembaria? C'est le courant qui a été utilisé par Gaï Saleh à mars 2019 jusqu'à décembre 2019 pour diviser le Hirak, pour affaiblir le peuple algérien et pour imposer les élections présidentielles de décembre 2019. Et rappelez-vous comment le Bédicien Novembaria a prospéré. La haine du Kabylie du Berbère, ils avaient trois. Le Bédicien Novembaria a trois axes. Tout ce qui est Kabylie berbère n'est pas algérien, parce que pour eux, quand tu es Kabylie, tu es berbère, tu es plus francophone, tu es plus proche de l'Occident que de leur référence moyen-orientale, religieuse, islamique et musulmane. La haine de tout ce qui est francophone, tout ce qui est opposant, tout ce qui vient de l'étranger, pour eux, de tout opposant établi à l'étranger est un traître, est un agent des puissances de l'impérialisme étranger, de l'impérialisme occidental. Et la France est un ennemi éternel de l'Algérie. Et la France doit être considérée comme l'ennemi éternel de l'Algérie. Donc, Netebboune, avec ses complices, avec ses nouveaux, les alliés, Ben Guelena ou Jmaat pour le deuxième mandat, il peut dire au revoir à ses bonnes relations avec la France et avec l'Union Européenne. Ou troisièmement, une glorification, une certaine glorification de la dictature militaire. C'est-à-dire que Jmaat Novembaria, le BDC, il ne faut pas qu'il y ait de liberté publique, pas de liberté d'expression. Il faut répéter, les médias ou la presse ou l'opinion publique ne doit que répéter ce que le régime doit dire. Et si des gens s'écartent de cette voie, il faut que la répression armée soit là. Il faut que la police réprime. Ils sont pour un état policier pour un état militaire. Voilà. Alors, il y a les trois axes, tel le Bédicien Novembaria. Est-ce qu'avec des gens pareils, on peut construire une nouvelle Algérie? Est-ce qu'avec une pareille pensée, on peut préserver l'unité nationale? Vous allez voir les dérives. À Algérie 2024, vous allez voir les propagandes médiatiques dans la presse de ce courant de la Bédicien Novembaria. Vous allez voir comment la haine anti-Kabyle, anti-Berbère, anti-Francophone, les appels à la division du pays, les accusations de d'espionnage, d'être un agent au service des puissances étrangères. Vous allez voir le climat politique très malsain, très violent et très brutal dans lequel l'Algérie va patauger jusqu'aux élections présidentielles 2024 à cause de ces gens-là, que le clan Tebboune est en train d'utiliser pour faire passer à tout prix le deuxième mandat, parce que Mahindou, je les soutiens. Il n'y a aucune personnalité politique sérieuse, crédible, ne soutient de Majid Tebboune. Marrakech, aucun courant politique crédible ne soutient de Majid Tebboune. Il n'a pas de soutien parce qu'il n'a pas de bilan, parce qu'il n'a pas de réalisation, parce qu'il a été un mauvais président. C'est ça la vérité. S'il veut devenir un bon président, il faudrait peut-être qu'il se remette en cause et commence à travailler sérieusement. Mais est-ce qu'il est prêt à entendre ce message? Je ne crois pas.